Oui, donne, on va aller voir ça là-bas. Excuse-moi, tu l'as repris. Attention, attention, nous approchons du gong final. Sandrine, oui, dépêchez-vous. Voilà, dépêchez-vous. Alors, rancune. La grille va s'ouvrir. Vous vous souvenez des mots? Lait. Montagne. Vous avez pain, montagne et lait. Souris. Soupe. Encore un indice. Cherchez. Une dent. La montagne, ça les dents. Pas de sacrifice, souris. Carole. Les dents. Lait, la souris, elle va chercher les dents. Les rancunes. C'est bon, nous avons... Ils sont en avance encore une fois, le gong n'a pas retenti, ils peuvent continuer à chercher. On va récalculer tranquillement. Ils sont vraiment rapides, ils sont énervants. Vous vous souvenez, ils vous narguaient avec ces petits indices. Rancune. La souris va chercher les dents. Rancune. Avoir une dent contre quelqu'un. Peut-être réclamer quelque chose au père Toura, là. On va raccourcir le temps du relais, je crois. Quand on perd sa dent, il y a la souris. Ensuite, il y avait le lait. Ensuite, il y avait montagne. Et montagne. Attention, j'envoie le gong. Qui fait quoi? Qui se met où? Exceptionnellement, j'envoie le gong. Attention. Gong. Qui va s'ouvrir? D'accord, vous vous mettez sur les côtés. C'est au singulier ou au pluriel, dent? Regardez, c'est un petit indice de la machine infernale. Ne m'énervez pas, Sandrine. C'est pas le jour. En plus, j'étais très gentil, Carole. J'ai envoyé le cours plus tôt. Prenez-la maintenant. Bon. Alors, Carole, vous avez gagné pas mal de temps avec les maîtres du temps tout à l'heure. Ouais. Soyez les larmes, là. Pourquoi vous me rappelez toujours des mauvais souvenirs, Sandrine? Je voudrais vous rappeler aussi qu'ils sont bien inscrits, bien rangés sur les bonnes lettres. C'est bien. Félindra. Le Vercors. Tête de tigre. Pourquoi la vie? Bah oui, c'est mon baldeig qui s'en va. Mais non. Oh là là, Pierre, ils sont à deux porteurs maintenant. Ah bah oui, il y a pas eu de sacrifice à cause de vous. Toujours? Oui, tout à fait. Je les dis quoi? Vous n'êtes pas obligé à faire des sacrifices. Mais ils sont trop forts, ils sont mes champions. Vous avez votre tigre, moi j'ai mes champions. C'est vrai. Surtout pour tout faire craquer. Et alors 3 minutes, c'est long. Craquer le chaudron, je vais craquer le chaudron. Oui. C'est très long, 3 minutes. Mais oui, mais vos maîtres du temps ont été très bons. Ah, mauvais, ça, je dois dire que cette année, ce soir, mes maîtres du temps, ils ont été en dessous de tout. Ouais. J'ai piqué une colère pénible. Je vous dis tout de suite, Sandra, oui. Faut pas vous mettre en colère. Doucement. Alors, Sandrine, en plus, je vais quand même pas les aider. Voilà, doucement. Attendez, je donne un conseil, là, ne portez plus, vous y allez, mais vous ne portez plus personne. Sinon, c'est dangereux. D'accord? Hein? Vous promettez, vous portez plus? Je pense que je peins pour... Rien, hein, parce que je ne mets plus, là, c'est fini. Ah si! Voilà, faites plein d'allers-retours, La grille se referme. La fête. Si vous restez dedans, vous perdez tout. Doucement. Je vous préviens que si vous restez dans la... Si vous ne sortez pas, vous perdez tout. Oh, les garçons là-bas. Attention. Vous allez tout faire.
Allez, ramassez maintenant. C'est malin, ça. Tiens. Ça va? T'es pas blessé? Non, c'est chaud. Ah! Pourquoi ça se termine toujours comme ça? Parce qu'il y a du fric. Quand il y a du fric, il y a plus de raison. Parce qu'il y a plein de raisons pour les enfants là-dedans. Ah, non, mais voilà, c'est fait. Voyons voir la moisson. Nous, ça va pas plaire à Jean-Pierre. On a pas beaucoup, hein. Ça va pas lui plaire. Ça. Ah, pas partout, il y en a beaucoup, il y en a, non? Beaucoup, beaucoup. Hein. Ça y est? Les derniers. Allez, venez. Les derniers, par là. Par là. Allez, venez, venez, venez. Alors, effectivement, ce soir, mon code était bien dans. Premier indice, montagne, dans. De montagne, sommet pointu avec un versant abrupt. Ensuite, fin de l'expression avoir la dent, c'est-à-dire avoir faim. Troisième indice, lait. Les enfants, ils ont des dents de lait. Quatrième indice, rancune, de l'expression avoir une dent contre quelqu'un. Enfin, l'indice souris. Pour les petits-enfants, ils mettent leurs petites dents de lait sous l'oreiller. On dit que la souris va passer dans la nuit, on va leur donner un petit peu d'argent ou un beau cadeau. Et enfin, si, les dents de si. Ben, bravo à l'équipe de Carole Montillier. Je vais symboliquement faire la petite souris en rajoutant un petit boyard.